in mezzo al traffico degli aerei e loro strepito, radunati attorno a questa stella, affidiamo a Dio tutti i ricordi del 30 giugno 1994, con la speranza a ciascuno di proseguire oggi con l'aiuto di Dio la sua strada, ove ogni valle sarà colmata, ogni montagna, ogni collina passata, ove le vie sorte diventeranno dritte e tutti gli uomini vedranno la gloria di Dio. Mesdames, Messieurs, c'est aujourd'hui une réunion de famille, une réunion de la grande famille aéronautique, Airbus, les compagnies aériennes, les pilotes, les ingénieurs, mais surtout, avant tout, les familles des victimes qui sont ici nombreuses aujourd'hui, les conjoints, les enfants, les parents. Et c'est avec humilité que nous tous nous retrouvons aujourd'hui. Cette humilité, nous la portons en nous tous, à Airbus, depuis ce 30 juin 1994. Car malgré tous les progrès réalisés dans le domaine de la sécurité aérienne au fil des ans, il a fallu ce terrible drame, ici, sur notre propre terrain d'envol, pour nous rappeler à tous que la sécurité absolue n'existe pas, que la technologie a ses limites et que malheureusement, personne n'est à l'abri d'un accident. Par respect des victimes, il nous a paru indispensable que cette commémoration puisse se faire dignement et sereinement. Il a fallu, bien sûr, attendre que le deuil se fasse, que les suites administratives et judiciaires aboutissent et que la sérénité nous revienne. Je voudrais dire aussi, car nous le devons aux victimes, que nous avons tiré les douloureuses leçons de ce drame. L'organisation interne des vols d'essai a été révisée. Le système de pilotage automatique de la 330 a été amélioré. Un processus de dialogue en matière de sécurité aérienne avec les organisations représentatives des navigants a été mis en place. De l'autre côté des Alpes, nos amis et collègues italiens, sur l'initiative de M. Pierluigi Rachetti, ont aussi voulu associer la mémoire des victimes à l'avancement de la sécurité aérienne à l'avenir. La Fondation Pier Paolo Rachetti, destinée à promouvoir la sécurité en vol et la protection de l'environnement dans le cadre du transport aérien, fournira également un soutien économique aux jeunes les moins fortunés qui désirent suivre une formation de pilote.
la fondation et le mémorial dédié à Pier Paolo Rapetti seront inaugurés cet après-midi même à Rome. Dès aujourd'hui, les premières bourses d'études seront attribuées. Airbus a tout naturellement tenu à devenir l'un des membres de cette fondation et nous sommes résolument déterminés à contribuer activement à son succès. Je tiens à souligner, non seulement en ce qui concerne la responsabilité sur le plan légal, mais aussi et plus encore, et c'est très important pour nous tous à Airbus, sur le plan moral, vis-à-vis de ceux qui étaient à bord de cet avion et de leur famille. Airbus était sans aucun doute le seul responsable de ce drame. Quest'acqua benedetta, l'adesione a Cristo, via, verità e vita. Su voi tutti qui presenti che fate memoria di questi avieri, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Thank you.